Et tout de suite, comme promis, l'interview de Robert Ménard, UOIF, le sommet qui s'ouvre aujourd'hui, un sommet sous surveillance. Il en est l'un des invités vedettes. Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à Oxford, est votre invité, Robert. Tariq Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas le bienvenu en France, en tout cas, parce que quand on voit les déclarations à la fois du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur, il regrette que vous soyez invité au congrès de l'UOIF. Il regrette. Oui, non mais je ne suis pas bienvenu par Nicolas Sarkozy, le président, et son ministre de l'Intérieur. C'est eux qui parlent de ne pas bien m'accueillir, de ne pas être content. Je suis très très bien accueilli par un grand nombre de Français. Je ne confonds pas le peuple de France et le peuple français et certains intellectuels et certains acteurs politiques avec la position de ce gouvernement. Pourquoi cette position quand on dit que vos propos sont contraires à l'esprit républicain, qu'ils ne rendent pas service aux musulmans de France? C'est de graves accusations. Oui, c'est de graves accusations qui sont encore une fois fondées sur rien, parce que depuis 25 ans que j'interviens en France, j'interviens en demandant et en conseillant aux Français de confession musulmane de respecter la loi, d'être engagés, d'être des citoyens. Mais ce que je dis à ce gouvernement-là, c'est que depuis 5 ans qu'ils sont aux affaires, et Nicolas Sarkozy depuis bien avant quand il était ministre de l'Intérieur, ils n'ont rien fait sur la question sociale. On a eu des émeutes en 2005. Qu'est-ce qui a été fait dans les banlieues, si ce n'est des gesticulations et des actes de symbole, de prendre Rachida Dati ici ou Fadela Amara en nous faisant croire que on respecte la diversité en utilisant des symboles. Ce que vous dites, je l'entends. En même temps, j'ai pas vu un seul leader de la gauche prendre votre défense. J'ai pas entendu d'intellectuel dire c'est scandaleux de montrer du doigt un autre intellectuel. Personne ne s'est levé en disant non, que... Non. Attendez. Vous n'avez pas beaucoup entendu. Non, mais le responsable pour l'Église catholique de relations avec l'islam m'a dit que dire que j'étais anti-républicain, c'est faux. Vous avez eu un certain nombre d'intellectuels, mais aujourd'hui campagne électorale. Oui, vous avez vu un responsable d'un parti politique prendre votre défense. Pourquoi? Parce que ça fait peur, c'est prendre la défense du diable. Exactement. Aujourd'hui, on m'a diabolisé en France. Ça fait d'ailleurs beaucoup sourire dans d'autres pays européens, jusqu'aux États-Unis, à l'heure où je vous parle maintenant. On me disait, mais qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi? Est-ce qu'on évolue en France? Et malheureusement, aux États-Unis, à un moment donné, ils vous ont fait des problèmes. Aussi, vous en mais encore une fois, la tête. Mais encore une fois, qui m'a fait des problèmes? Une administration, l'administration Bush, dont je critiquais d'une part le soutien unilatéral d'Israël sur la question israélo-palestinienne, et puis l'invasion et l'intervention en Irak. Donc on m'a diabolisé parce qu'on ne voulait pas entendre cette voix. Et là, on diabolise, c'est tout. Mais écoutez, c'est exactement la même chose. Il faut quand même que vous sachiez qu'en 2003, j'étais en face à face avec Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et que quelques semaines plus tard, il m'envoie une lettre sur l'ouverture et le pluralisme. En fait, ce sont des gesticulations politiciennes. Nous sommes à vous quelques semaines... Vous croyez qu'il n'y a aucun fond? Vous croyez que c'est uniquement lié à l'échéance électorale? Alors, il y a une échéance électorale, mais il y a autre chose qui est beaucoup plus fondamentale. C'est que mon discours est extrêmement gênant. Non pas parce que je divise la France, mais parce que je fais exactement le contraire. Je demande aux citoyens français d'être des citoyens à part entière. Et surtout de ne pas jamais accepter qu'on parle à leur place et de se faire entendre. Donc ce discours-là, il faut bien l'entendre, des démocrates de confession musulmane aujourd'hui en France, ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on dit à Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas à parler à notre place. Et puis une autre chose qui est importante, quand on vient me critiquer, moi, parce que je dis aux Français d'être engagés, et on dit oui, mais on ne veut pas d'un islam qui soit dirigé par des États étrangers. Qui aujourd'hui prend langue avec l'ambassade du Maroc ou l'ambassade d'Algérie pour organiser l'islam de France? Le gouvernement actuel, il ne parle pas à ses citoyens. Oui, mais en même temps, je vais vous citer parce que à propos des musulmans, vous dites, ils doivent refuser, d'être des victimes passives et consentantes. Attendez. Tous les musulmans de France ne sont pas victimes de quoi que ce soit. On n'est pas dans une société où tout le monde est montré du doigt. Vous avez parfaitement raison, mais ma formule, la phrase ne disait pas ça. Ce que je disais, c'est exactement le sens de ce que vous dites en fait. Je dis aux Français de confession musulmane, arrêtez de vous mettre dans une position de victime. Arrêtez le sentiment victimaire. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des citoyens de plein droit. Parce que tous les musulmans de France sont montrés du doigt par tous les Français, Attendez. Tous les musulmans de France ne sont pas montrés du doigt. L'atmosphère qui existe aujourd'hui en France est très négative, elle est délétère. Et l'islam est stigmatisé. Oui. Alors, attendez, moi, c'est ma réponse à ça, à cette atmosphère, c'est de dire aux musulmans, ne réagissez pas comme des victimes, devenez des citoyens et faites-vous entendre là où il faut vous faire entendre. En même temps, quand vous parlez du climat, moi, je me méfie, alors, parce qu'on l'a beaucoup entendu ici, vous savez, alors les polémiques sur le halal, sur la hiérarchie des civilisations,
sur l'immigration, les gens vous disent « Ah oui, mais c'est tout ça qui produit à Mohamed Merah ». Non, est-ce que c'est pas une façon de trouver une espèce de d'excuse à ces gens-là? Non, il faut pas chercher d'excuses, mais il faut essayer. Il y en a aucune, quand même. Mais attendez, il faut comprendre des processus. Comprendre, ça ne veut pas dire excuser. Et ce que j'ai dit, non, comprendre ne veut pas dire. De temps en temps, ça finit par vouloir dire ça. Non. Comprendre, c'est se dire comment un homme qui est considéré par ceux qui travaillent avec lui, sa psychologue ou son avocat, ou même les gens qui le connaissent, qui se disent, c'est un jeune homme qui a une fragilité, qui va pas bien, qui a fait une tentative de suicide, qui a essayé d'entrer dans l'armée. À un moment donné, eh bien, il passe à autre chose et il en arrive à tuer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça, vous devez essayer de le comprendre. Si vous voulez chercher des solutions, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Comprendre n'est pas justifié. L'autre chose, quand même, qu'il faut qu'on dise aujourd'hui, parce que vous dites, attendez, l'atmosphère... Oui. Quand on lance un débat sur l'identité nationale en France, on ne permet pas à une atmosphère saine de se poser. On a le droit de poser des débats. Enfin, vous passez votre vie à en poser des questions. Vous, pourquoi quel cette question-là, elle serait... Parce il y a des questions elle, qui ne sont pas légitimes. Non, parce que cette question... Non, attendez. Toutes les questions sont légitimes. Celle qui concerne qu'est-ce que c'est l'identité nationale, c'est une question légitime. Les questions sont légitimes. Ça dépend quand vous les posez et pour éviter quelle autre question. Alors, la logique, c'est... Écoutez, quand on pose la question de l'identité nationale, parce qu'on ne veut pas parler de la justice sociale, parce qu'on ne veut pas parler du manque d'écoles dans les banlieues. De l'un et de l'autre, c'est pas exactement la même chose. Non, exact. Mon point, il est le suivant. C'est qu'on parle de l'un pour éviter de parler de l'autre. C'est ça, la stratégie politique. Quand vous dites, quand même, je vais vous citer, sur Mohamed Merah, quand vous dites, donc vous dites, c'est un pauvre garçon coupable et à condamner sans l'ombre d'un doute. Donc ça vous le dites, je ne vous fais pas ce reproche-là. Mais même s'il fut lui-même la victime d'un ordre social qu'il avait déjà condamné, lui et 10 millions d'autres, vous ne trouvez pas que c'est un peu ça, c'est le Tariq Ramadan de gauche? Ben, de gauche, de toute façon, je suis plutôt à gauche, et ça me pose pas de problème. Même si vous êtes à droite, il faudra entendre les paroles de gauche. Mais écoutez-moi. Que ça finit pas par excuser les choses qui sont inexcusables. Mais écoutez, je veux dire, regardez les choses Dieu en merci, face. Merci, il n'y a pas des millions de Mohamed Merah. Je veux dire, le problème qu'on a parfois avec les gens de droite, c'est qu'ils n'écoutent pas nos réponses. Oui. Donc écoutez ma réponse. Mais vous dites qu'il n'y a pas des questions, il y a des questions qui ne sont pas légitimes. Alors, est-ce que celle-là est légitime de vous demander de vous expliquer là-dessus? Si vous m'écoutez, oui, elle sera légitime. Et la deuxième des choses, c'est que j'ai dit que toutes les questions étaient légitimes. Ça dépend quand on les pose pour éviter quelle autre question. Mon point ici, concernant ce que vous dites, c'est que j'essaye d'expliquer qu'à un moment donné, tout ce qui nous permet d'essayer de dessiner le portrait de ce jeune homme, comme de millions de Français de confession musulmane, ou même pas de confession musulmane, des Noirs, des gens qui sont dans l'exclusion sociale, dans le chômage, qui vivent la discrimination, vous pouvez quand même pas aujourd'hui vouloir simplement dire d'un homme, c'est un monstre, point. Il y a des raisons qui expliquent ceci. C'est tout ce que j'essaye de dire. Et qu'à partir d'un certain moment, oui, c'est une victime. Oui, c'est une victime de la société. Alors, attendez, à partir d'un certain moment, juger son acte et essayer de comprendre le processus, c'est deux choses différentes. Et moi, aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, quand on a en face de soi, c'est l'inhumain, c'est de comprendre l'humain. Alors, quand Youssef Karadawi, donc le grand prédicateur qui est sur Al Jazeera toutes les semaines, dit ce qu'il dit des Juifs, vous avez envie de le défendre ? Pas sur la question de ce qu'il dit des Juifs et pas ce qu'il a dit en plus il y a une trentaine d'années. Ce qu'il dit sur la question juive... En 99, il a dit sur une chaîne qui n'était pas Al Jazeera, il s'est fait féliciter qu'Hitler ait remis les Juifs à leur place. Alors écoutez, encore une fois, ça, écoutez, ceci n'est pas la traduction de ce qu'il a dit en arabe et vous devriez vérifier vos sources. Je vérifierai là-dessus. Oui, non, mais vous devez vérifier avant même de me poser la question. Le deuxième point. Non, mais attendez, tout propos du cheikh Youssef Al-Qaradawi ou d'un autre qui confondrait la critique du sionisme politique de l'État d'Israël dans la politique qu'il produit maintenant. De temps en temps, il y en a qui confondent vraiment, vous le savez. Tout à fait. Mais toute vous critique, condamnez ça. Toute critique qui confondra sera condamnée de mon fait parce que l'antisémitisme est contre ma religion et contre mes principes. Et quand il laisse entendre que l'homosexualité est quasiment un crime, qu'est-ce que vous lui dites? Je pense que lui, ce qu'il se pose, c'est dans la position traditionnelle. Il dit que c'est justifié. Attendez, lui, ce qu'il dit, c'est un péché, comme le dit le pape, comme le dit le Dalai Lama, et donc c'est un représentant religieux. Maintenant, est-ce que le Dalai Lama... Un péché et un crime, mais pas tout à fait la même chose. Non, il dit un péché. Il dit un péché majeur. Il dit alors pas là aussi, c'est un problème de traduction. Il dit pas un crime. Mais attendez, le pape, vous l'empêchez pas de rentrer en France. Le Dalai Lama qui dit que l'homosexualité est à condamner, on ne l'empêche pas. À partir d'un certain moment, il faut que par rapport aux représentants religieux que l'on peut avoir, c'est qu'on laisse la parole libre et critique.
on empêche les gens de parler quand ils incitent au crime et à la haine. Et il ne le fait pas. Donc ma position, c'est que moi-même, sur un certain nombre de points, je peux être en désaccord avec lui. Mais sa place, elle était au congrès de l'UOIF. Mais elle est dans tous les lieux. Attendez, mais je veux dire, même la France, elle discute avec le Qatar. Et vous allez voir, je veux dire, écoutez, vous savez, à ce congrès, vous avez un homme dont on ne parle pas. Il ne fait pas partie des six. Il s'appelle Rachid Ghannouchi. C'est le leader des Nahda en Tunisie. Mais pendant des années, il a été interdit d'entrer en France quand on soutenait Ben Ali. Mais dites-le, ça. Dites que laissez-moi terminer. Le gouvernement Sarkozy sort des gens à géométrie variable en fonction des relations que l'on a. On ne peut pas sortir en France aujourd'hui. On ne peut pas sortir le cher Rachid Ghannouchi à cause de ce qui est en train de se passer en Tunisie. Donc ce sont que des gesticulations politiciennes. Mais Al-Qaradawi, il dit aussi beaucoup de trucs monstrueux de temps en temps. Non, mais c'est sur Al Jazeera, il dit des choses étonnantes, mais t'entends, mais tombé à la renverse. Attendez. Qu'ils disent des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, c'est une chose. Qu'on interdise de rentrer, c'en est une autre. Et la question est aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'a dit Rachid Ghannouchi pour que pendant pratiquement 10 ans, il ne puisse pas entrer en France? Et pourquoi aujourd'hui il rentre? Pourquoi il rentre aujourd'hui? Il a le pouvoir aujourd'hui. Voilà, exactement. Merci d'avoir confirmé. Mais attendez, on est d'accord. Moi, je l'aurais reçu avec plaisir ici quand il était dans l'opposition. Aujourd'hui, sur l'antisémitisme, il y a un antisémitisme dans les banlieues. Vous le condamnez? Bien sûr, il faut le condamner. Il faut condamner. On ne l'a pas passé sous silence pendant longtemps. Oh non, parce qu'on ne voyait que le vieil antisémitisme d'origine catholique et d'extrême droite. Non, c'est pas qu'on ne l'a pas passé sous silence, c'est qu'à partir d'un certain moment, on est aujourd'hui dans la surenchère. On a des jeunes qui ont l'impression qu'ils sont tellement laissés pour compte qu'on vient leur enseigner uniquement l'histoire de l'antisémitisme et l'extermination des Juifs. Aujourd'hui, il faut une démarche pédagogique beaucoup plus globale. Il faut en même temps qu'on leur reconnaît une place de Français, qu'on leur dise clairement... Ils se la jouent l'intifada aussi, il faut dire. Non, ils ne se la jouent pas l'intifada. Ils vivent dans des conditions qui sont le double du taux de chômage dans les banlieues par rapport à la moyenne française. Oui, c'est ça qui ne justifie pas de tenir des propos comme ça. Attendez, la question n'est pas de savoir de justifier. Je ne le justifie pas. Je dis qu'il faut comprendre d'où on part. Et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que les jeunes doivent suivre à l'école tous les cours et comprendre l'histoire de l'antisémitisme. Mais il faut qu'en France, et il faut qu'ils écoutent et pas qu'ils troublent les minutes de silence quand elles sont faites pour des jeunes qui ont été tués. Exactement. De jeunes juifs. Il faut qu'en France, on ne fasse pas de hiérarchie. Vis-à-vis des racismes, il faut que n'importe quelle expression anti-musulmane soit critiquée de la même façon, avec la même force. En une seconde, Marine Le Pen qui demande l'interdiction de l'UOIF. Les gesticulations politiques, populisme qui ne sert à rien, ça n'est pas en empêchant les gens de parler qu'on aura de la dignité. Marine Le Pen ne s'honore pas une fois de plus. Tariq Ramadan, merci. Merci à vous.